Ce que je peux dire par rapport à cet événement malheureux dont les trois journalistes algériens ont été victimes de coups d'agression, vraiment le vœu le plus cher du chef de l'État camerounais, c'était qu'en fait nous soyons de ceux qui doivent ouvrir les mains pour accueillir des étrangers, que nous les accueillons dans la paix et la sérénité. Donc déjà pour ceux qui se sont prêtés à des violences, pour ceux qui se sont prêtés à des attaques vraiment pas bien, je ne pense pas que c'est le souhait du gouvernement camerounais. Donc nous déplorons vraiment cet acte d'agression qui a dû se produire et nous disons que le Cameroun est une terre d'accueil, comme également l'Algérie est également une terre d'accueil. Donc que cet événement n'est pas sur le dos du gouvernement camerounais, ce n'est que des individus et des bandes de malfrats dans l'ombre qui font des choses aussi pareilles, que le peuple algérien ne considère vraiment pas ça comme un coup monté par le gouvernement, mais que ce n'est que des personnes vraiment pas bien qui l'ont fait. Et nous demandons vraiment beaucoup de courage au peuple algérien qui est sur la terre camerounaise, et que nous sommes des Africains, nous, au Cameroun, notre slogan c'est le vivre ensemble. Et nous accueillons tous les Africains, et beaucoup de courage, et nous vous remercions. Merci.